le rendez-vous de la saison. En tout cas, le gros choc pour les Chartrains en déplacement court dans la capitale pour y affronter le champion de France, le Paris Saint-Germain. Côté droit, secteur, la passe compliquée. Et c'est une solution trouvée dans le petit secteur. Et demain, il en avait la possibilité, Bulgare. Et là, les espaces, alors, surtout en infériorité numérique, avec, on l'a dit, les appuis de feu de Dani. C'était voilà. Son clone presque dans le jeu. Totalement. Entre les jambes, vous voyez, vous parliez de duel, de jeu auprès, voilà, on est vraiment là-dedans. François-Xavier de domination, non, ça c'est trop lâché trop rapidement. Maria Yaomar en deux temps et trois mouvements ou presque. Touché au niveau du visage peut-être de l'œil, on va suivre ça. Le but de Chartrain. Le Groseille. Un autre point de fixation avec Dimitrov. Ah là oui, là, ça, là, ça là, c'est oui. Bien mieux, voilà. Avec une vraie qualité là, hein, de lecture. Ouais. Regardez la défense à l'opposé, très haute sans dissuasion parce qu'il a quitté son poste. Vanya Ilic, c'est la réponse. La réponse, c'est bien. Bonne entrée, à part le premier tir. Hein, oui. Une bonne entrée. Oui, il a bien la défense. Oui. Dimitrov qui... Oh, exceptionnel. Dimitrov qui ne pouvait plus intervenir. Chartrain. Oui, c'est Vérin, ça c'est dans toute sa splendeur. C'est un joueur d'édition hétéroclite et. Oh là là, le numéro sur le décalage, là c'est parfait. Changement de rythme de Steins. Bayens à droite, à gauche, au centre. Ce n'est pas un. Ça n'est pas nouveau. Hein. C'est un sans faute. Hein. Mais on l'a vu dans les statistiques. En échec hein, en termes de oui, 50%. De stats. Oui. Alors c'est quelqu'un qui généralement. Et oh, oui, bien sûr. Superbe, là aussi, belle inspiration. Chartres reprend les devants. De nombreuses années, qui s'est installé, capable de jouer sur plusieurs positions. Oui, ça peut jouer un rôle dans la durée. Paris accroché. Un vérin hydraulique. Hein. Ah, comme vous dites. De remise. Ah, la différence est faite. Voilà. C'est logique. Oh, au-dessus de la tête de Bomasta. Mais la raison. Et Omar, bonne passe de décalage. Et le bon retour. Ah, c'est Bayern. Le jeu à 7 contre 6. François-Xavier Ben Salem côté gauche. Et le ballon, voilà, il n'y a pas de gardien. Elohim Prandi qui va prendre tout son temps. La punition sur cette perte de balle. On l'a entendu à notre micro, Quentin Minel. Responsable selon lui de trop grand nombre de perceptions. Ça n'a pas manqué. Et la même chose. Et derrière, Elohim Prandi. Le cerveau. Loredon, le voilà. Le retour d'Ivry, lui. Ah, au-dessus. Le coup de fou superbe. L'inspiration et la conclusion de Dani Bayens. Figueras, dites-moi, Thomas, le nombre de minutes passées sur le terrain par ça. Figueras. Juste en fin de match, une fois que la partie était terminée. Et Gauthier Loredon s'y met aussi. Le seul Wallem. Ce fut sans pitié face à Chartres. Le succès. 36-26 du Paris Saint-Germain. Paris reste seul leader du championnat de France au terme de cette journée de championnat.